Avant de revivre les autres grands rebondissements et les suites de ce second tour dans les circonscriptions chaudes de la région, une petite synthèse après donc cette 11e circonscription. La première leçon, on va voir avec les cartes. François Hollande demandait une majorité pour le changement, il l'a eu. Le Parti socialiste est de loin la première force politique du pays aujourd'hui. Il a même les mains libres, même s'il devra toutefois composer avec deux électeurs du Front National. Vous le voyez, le choix du 6 mai s'est également confirmé dans la région Nord-Pas-de-Calais. On le voit, la gauche a accentué son avantage en nombre de sièges, que ce soit dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. On va voir tout de suite sur les cartes. Le PS, ses partenaires et les dissidents comptent 23 sièges, alors que la droite n'en conserve que 10. On constate, c'est l'autre leçon, un renouvellement. Vous le voyez, les têtes ont changé. 11 députés sur 33 démarrent leur carrière parlementaire. Et parmi eux, justement, on a vu hier soir Nicolas Baïs, 35 ans, dans la 12e circonscription du Pas-de-Calais.